et bienvenue sur Accent Français TV, une chaîne où vous pourrez apprendre plein de petits trucs et astuces sur la langue française, mais aussi sur sa culture. Aujourd'hui, des petites expressions pour mieux comprendre les réponses des Français. Parfois, les réponses des Français sont un peu difficiles à comprendre parce qu'ils répondent quelque chose qui ne veut dire ni oui, ni non, mais quelque chose entre les deux. Première expression, l'expression « bof ». Par exemple, vous êtes en train de goûter quelque chose. Est-ce que tu aimes ? Bof. Bof, donc, ne veut dire ni oui ni non, mais a plutôt une petite tendance, ou plutôt grosse tendance, à être négatif. Deuxième expression, l'expression « pas mal ». Pas mal peut aller du un peu négatif jusqu'au très positif. Ça va dépendre de l'intonation que vous donnez à cette expression. Par exemple, une amie arrive et me demande « Qu'est-ce que tu penses de ma robe ?»« Oh, pas mal !» C'est plutôt très positif. Mais si elle me pose la même question et que je réponds « Pas mal !» Ça voudra dire « Ça va, mais non, ce n'est pas très bien. » Dernière expression, c'est l'expression « c'est pas » plus un adjectif négatif. Donc, c'est-à-dire qu'il y a double négation, et double négation, ça donne quelque chose de positif. Par exemple, « Ah, ah, c'est pas mauvais, c'est pas dégueulasse. » Ça veut dire « c'est bon ». Voilà. J'espère que ces petites expressions vous aideront à mieux comprendre les Français et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !